Donc rien ne se passe jamais comme prévu. C'est l'histoire d'un couple trentenaire qui décide de fonder une famille, ou en tout cas d'essayer. Et justement, c'est l'histoire des aventures et des rebondissements qu'ils vont devoir affronter dans ce projet qui ne va pas se dérouler exactement comme ils l'avaient espéré au départ. Bah, au départ, oui, c'était un besoin de raconter, je pense, ce que moi-même j'avais vécu. Et puis après, une fois que le projet, enfin, j'ai vu que je pouvais mener le projet à bout, c'est vraiment envie de pouvoir aider aussi et proposer à ceux qui sont dans la même situation, puisqu'on est de plus en plus nombreux à trouver des choses que moi j'aurais cherchées ou que j'aurais bien aimé pouvoir trouver. J'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir la pression au début, parce que Lucille. On se connaissait par le travail et on avait eu l'occasion de se rencontrer déjà. Et donc elle m'a invitée sans me faire part de ses plans qu'il y avait derrière. Donc je ne me suis pas vraiment mis la pression, j'ai fait un truc spontané. Et, elle m'avait expliqué qu'il y avait cette double personnalité un petit peu qui se constituait au cours de cette expérience. Et ça, c'est de là qu'est venue l'idée des émotions qui sont externalisées en fait. Alors c'est un peu inspiré par des choses qui ont déjà été faites, comme Pixar par exemple, avec Vice Versa, les émotions, les couleurs. Et voilà, je me suis inspirée de ce que je connaissais. Et après j'ai googlé les émotions pour voir un peu les couleurs, alors à quoi correspondent les émotions générales. Et puis je suis arrivée sur le cercle chromatique du chercheur américain, et d'ailleurs il est à la fin du livre.